Simon contre les GAFA. Est-il vrai que l'État pourrait économiser 35 milliards d'euros en 10 ans en externalisant certains services? Alors j'ai reçu un rapport du patron de Webhelp que j'étudie. 35 milliards me paraît un chiffre trop élevé, mais il est sûr que l'on peut faire des économies. Donc vous allez externaliser? Alors ça veut dire quoi externaliser? Par exemple, les cantines des services publics. C'est déjà en partie fait dans les collectivités locales. 40%. Non mais moi je fais pas la revue de détail. 80% dans le privé. Vous êtes pour la décentralisation. Il faut laisser les directeurs d'administration, les managers, les ministres et les maires faire ce qu'ils pensent être le mieux à leur niveau. Moi ce que je veux dire, par exemple dans mon ministère, aujourd'hui 50% à peu près des gens qui vont dans les trésoreries, ils payent en liquide des amendes ou leur impôt. Il y a jusqu'à présent des gens qui voulaient supprimer le liquide, alors que les personnes âgées ou dans le monde rural, on a besoin de payer en liquide. Et en même temps, ça prend beaucoup de temps. Et l'agent des impôts, il n'est pas formé simplement pour compter des pièces. Il peut être utilisé à autre chose. Et ben, ce que j'ai fait, j'ai pas attendu le rapport, j'ai lancé un appel d'offres. Dans un an, on aura totalement la réponse pour que des réseaux, comme la Poste, comme les buralistes, qu'on doit aider parce que ce sont des gens courageux et qui doivent vendre autre chose aussi que du tabac, puissent être le lieu où on paye son impôt en liquide et utiliser les agents des finances publiques à faire du conseil plutôt qu'à faire des tâches répétitives. Donc l'accueil de l'usager dans les services publics sera confié au privé, c'est mais possible. Non, ce n'est pas le cas. Quand vous avez besoin d'un conseil, c'est normal qu'il y ait un agent public, un fonctionnaire sous statut qui vous conseille. C'est pas au buraliste ni à la poste de vous faire ce conseil. En revanche, pour payer votre amende en liquide, comme vous achetez un timbre fiscal, vous l'achetez où? L'achetez chez le buraliste. Bon, et ben ça permet à mon avis de faire des externalisations intelligentes. Donc pas tout le temps, mais il faut regarder les choses de façon intelligente et toutes les contributions sont à regarder. Bon, donc en externalisant, on fait des économies quand même. Hein, on peut faire des économies parfois. En faisant appel au privé à la place du public. Parfois on fait des bêtises, c'est pas toujours vertueux. On supprime des postes de fonctionnaires. Et on permet d'utiliser le nombre d'agents publics à faire du conseil, à faire de l'accompagnement, à remettre de fonctionnaires, ce que je fais en ce moment, aux impôts dans le rural. Et effectivement, de faire des économies. Ce qu'on s'est engagé à faire, c'est de ne pas renouveler un poste sur 5 qui part à la retraite. C'est donc tout à fait possible. Le chiffre de 120 000 sera atteint. Ah ben c'est un objectif que nous maintenons, évidemment. En 2022. En 2022.